Tout le monde, j'espère que nous allons bien. Alors, je nous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais nous partager cette astuce naturelle, comment faire pousser les cheveux longs et épais avec l'aloe vera gel. L'aloe vera gel est là et depuis l'ancien temps, les Indiens utilisent ça donc pour faire pousser leurs cheveux. L'aloe vera gel stimule la circulation de sang pour faciliter la repousse des cheveux. Voilà. Alors ici, nous avons deux choix. Nous avons la feuille d'aloe vera gel et puis nous avons l'Lily of the Desert que vous voyez là. J'ai toujours utilisé ça. C'est du gel qui vient de la feuille. Donc c'est vraiment naturel. Là, il n'y a pas de mélange. Voilà. Alors les deux se vendent sur eBay. Alors nous allons faire quoi? Si nous allons utiliser la feuille, donc nous allons presser le jus et nous allons presser le gel qui est dans la feuille. Poser sur les cheveux, bien masser et puis laisser pour 30 minutes. Donc au préalable, bien laver nos cheveux et puis laisser poser pour 30 minutes. Et puis après, nous allons rincer les cheveux. Alors si nous allons utiliser l'Lily of the Desert qui vient de la bouteille, là nous n'aurons pas besoin de laver les cheveux. Donc nous allons utiliser ça comme du gel normal. Voilà, nous allons bien poser ça sur le cheveu, bien masser pour faciliter la pénétration et puis laisser. Donc nous allons utiliser ça 3 fois la semaine. Et donc la feuille du gel de Lily of the Desert, donc 3 fois la semaine, nous allons faire le traitement pour voir les résultats. Donc voilà, comme j'ai dit, et si c'est Lily of the Desert, ça sera du gel normal et sans laver, donc au préalable bien nettoyer les cheveux. Alors si c'est la feuille, là maintenant nous allons nettoyer les cheveux. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, je ferai de mieux pour vous répondre et on se retrouve à la prochaine. Bye! Ou bah maman, les lona les biso astuce naturelle pendant qu'on fait pousser ce qui n'a biso, ils ont la première libandi, ils ont la première ceux qui ont katana, donc aloe vera gel les biso les lo, ils allent s'écraper à bendien, bah ils utiliseraient en gros pendant qu'on fait pousser ce qui n'a bango, alors tu vous en as besoin, il y a aloe vera gel feuille le lait qui en a besoin mona et ils ont été comme un eBay. Alors, ce que vous avez feuilleté, vous avez eu l'Lily of the Desert, vous avez eu déjà l'aloe vera gel Oyo, et vous avez eu à peine à eBay dans Amazon. Alors, ce que vous avez eu l'aloe vera gel Oyo, vous avez eu alors, vous avez eu la gel Yasuki. Vous avez besoin que vous avez eu sauté après. Donc, on nettoie ce qui n'a eu malin, mais puis vous gel. Alors, ce que vous avez eu la feuille, le long, vous avez eu la feuille, vous retiens, on a Suki, vous massez pinza bien. La sucre est déjà propre et puis tout ce qui est en prend à 30 minutes après de tout une sur la sucre n'a biso de tout l'équina pour ma dîner sur tout salé là. Donc j'espère que nous allons vraiment clair sur tout salé là et aloe vera gel ils en a bouteille tout sur la sucre qui était donc sur le sucre nous déjà avant à nos yeux ils allient la bouteille ou tiennent à mouton la gel ou massé pensa bien. Alors sur tout la feuille feuille n'est tout vous allez obliger tout sur la sucre n'a biso après 30 minutes, donc au salango 3 fois la semaine. Donc voilà, et ben moi j'espère que vous avez aimé la vidéo. Le on a équipe pour partager la vidéo et nous allons vous faire pousser sur une vidéo dans aloe vera gel. Et donc vous allez moyen mon naturel, vous allez pouvoir libandi, vous allez pouvoir masuko katana, vous allez pouvoir masuki et donc ils appellent ça misunité. Et donc ils allez vraiment et remède mon kito coming naturel et que sur un biso pena pour na sur un biso et ça la mala au mingi dans des lobby et feuilles na gel ou en ezote comme na eBay ou Amazon. J'espère que vous avez aimé la vidéo, ma maman, et on se retrouve à la prochaine.